Vous êtes en plein cours en train d'apprendre quelques mouvements aux élèves. Qu'est-ce que ça veut dire cette harmonisation et être faire corps avec l'adversaire? Alors là, sur ces images, c'est une explication, disons, basique. Hein. C'est la construction des techniques avec d'abord un placement initial. Ensuite, vous voyez, on coupe sur le bras pour déséquilibrer le partenaire. Et ensuite, on déroule son mouvement. Donc là, c'est une approche où ressort plus la construction. Hein. Là, on était dans un cours. Sinon, cette notion d'harmonisation, c'est quoi? C'est s'harmoniser avec le partenaire. Ça revient à s'harmoniser avec ce qu'il veut faire, ses intentions. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut vous pousser, vous tirer, etc. Ça revient à s'harmoniser aux intentions, aux directions et au rythme du mouvement. C'est-à-dire arriver à capter instantanément le rythme du mouvement pour pouvoir jouer sur ce rythme, le prolonger ou le perturber, des choses comme ça, quoi. Donc tout ça, ça demande une qualité d'écoute et de réceptivité qui est énorme. Alors, est-ce que là, on est dans le combat, dans le conflit, ou à l'inverse, non? On est dans l'aïkido, c'est-à-dire qu'on cherche à harmoniser la situation qui pourrait être une situation d'opposition. C'est-à-dire qu'un conflit, c'est quelque chose que quelqu'un vous donne, en fait, une impulsion, un coup de poing, que ce soit un coup de n'importe quoi, c'est une impulsion qu'on vous donne.